dire, le robot restera coincé peut-être une heure parce qu'il a été aspiré par une pompe, mais on demandera seulement après tout, allez, peut-être que la pompe va engager le robot. Alors qu'un homme, on ne peut pas se permettre de le laisser venir comme mieux dans un chaque cas. On a un mode package. Donc globalement, on a deux modes de fonctionnement. Un mode streaming, où le robot se déplace, en train de se déplacer un peu comme un sous-marin. Et un mode crawler, donc là, le robot se met à rouler sur la box. Ah, c'est quoi ça? Là j'arrive sur la chaise tribord de l'hélice. Je vais m'avancer pour visualiser soit la fer et le cordon de soudure qui se trouve. Tu peux être une fissure, tu peux être une fissure qui a un petit défaut. Et on va la suivre, ce qui permet d'éviter de passer le bateau au bassin. Donc pour économiser, j'ai un temps de passer le bassin. C'est un gain financier et puis un gain opérationnel. Le bateau peut continuer à naviguer en surveillance. Donc là, j'ai fait un plan large, donc on aperçoit l'embase. Donc là, on est totalement à l'envers. Hein. C'est l'embase de la chaise d'hélice qui est là, encore là. Là, je vais m'avancer, changer de caméra pour passer en couleur. Vous montrez les cordons de soudure qui sont entre la coque, à la jonction entre la coque et la chaise d'hélice. C'est des inspections qui peuvent se faire dans le cadre de la classe. Et là, les sociétés de classe type Bureau Veritas, Lloyd's, on est certifié par quatre sociétés de classe, Lloyd's, Bureau Veritas, ABS et Norsk Veritas. Et donc on va nous demander d'aller inspecter par exemple un cordon de soudure tel qu'on est en train de faire à l'instant sur la chaise d'armes, vérifier qu'il n'y a pas d'amorce de fissure qui pourrait être liée à des vibrations sur notre. Dans le cadre de l'inspection visuelle, ce qui peut se passer aussi, si tu peux retrouver un peu, Jérôme, s'il te plaît, c'est qu'on rencontre des zones qui sont un peu sales, donc on a équipé le robot d'un dispositif qui permet de réaliser des opérations de nettoyage localisées. Donc là, là typiquement, on marque un peu de ligne sur la zone qui est en plein milieu de l'écran, en quelques secondes avec un petit peu de nettoyage aussi. Oh, je pense que je vais finir par toucher légèrement. Alors c'est quoi? Là, c'est ma chenille droite de mon rover. Là, je pense que je ne peux plus trop m'avancer. Alors, à la fin de l'opération, on sortira de l'eau pour que vous puissiez le voir. Donc voilà, le voir, pardon. Et typiquement, voilà, je vous montre un double cordon. Donc ça, c'est le cordon d'embase, plus le cordon de la coque qui repart. Là, je vais essayer de faire. Pour les rentabiliser, je vais essayer de faire mieux que ça. Voilà, là, je repars. Voilà. Mettez-vous. Mettez-vous derrière moi, parce que là vous êtes avec cette chenille. Mettez-vous dans des endroits au large où l'intervention d'un plongeur peut être dangereuse, risquée, ou les interventions. Oui, c'est que je vais les modéliser par l'arrière du d'accord. D'un ingénieur, de pilote, de budget pour développer. C'est combien de temps qu'il est opérationnel? Opérationnel depuis 2 mois. Voilà. Là, je vais remonter la coque vers l'avant et je vais essayer de récupérer la sortie de l'arbre d'hélice de la coque. Alors, je vais vous montrer juste après, on va aller dans notre atelier qui est juste à côté. On a en fait, ça c'est le dernier produit, donc on se sert pour proposer ces services, mais le CNS propose depuis longtemps de faire une inspection sous-marine. Sauf qu'on veut partir fin janvier dans un pays de la vie, on va dire. Voilà, alors là on commence à le distinguer. Je fais un autre plan après, hein. Mais bon, attendez, moi je sais où il est, je vais le mettre en noir et blanc. Voilà. Là, si vous voulez. Là, je vais me positionner. J'ai essayé de faire un autre plan. Là, franchement, je peux pas être. J'ai pas... Allez-y, prenez-la. Quand vous l'avez prise, vous me dites que je... C'est bon. Je vais changer de caméra, je vais demander quelque chose. Puisque là, on peut parler en termes de matériel, le matériel lui-même, que vous avez racheté le même. Plusieurs centaines de milliers d'euros, avec le matériel que vous avez sous les yeux aujourd'hui. Oh, c'est pas une matière. Celle-là, qu'une partie, on va dire, que vous voyez, vous montez dans l'atelier, beaucoup d'autres matériels. Voilà, un robot de là, avec un équipement de millimètres. C'est bon, t'es parlé sur place. J'ai carrément un patin, une chenille carrément pas à la surface mais pas loin quoi. Mais vous allez le voir. Pendant qu'il y a des produits en termes de qu'il y a des ah
voit bien les soudures. Ah oui. C'est trouble, mais c'est pas la cathique d'eau, c'est mes propulseurs qui trouvent l'eau là. Je suis vraiment à la surface. Comment il se plaque, c'est ces quatre-là qui, quand il est sur la coque, le pousse et plaque en permanence sur la coque. Ça lui permet de monter et descendre, d'avoir les mouvements d'assiette et de jet. On peut peut-être sortir le flotteur. Ouais. Là-bas en face, la caméra, une fois qu'on est dans l'eau, on ne voit pas jusqu'au bout. Donc le pilote, bon, il ne la sent pas.